Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales. On se retrouve avec notre équipe de gentils otaku fermiers. Et on était en train d'aller essayer de s'occuper d'une bande de méchants. Pour donner d'ailleurs l'occasion à Lofwir de faire ses preuves, hein, puisque c'est le premier combat qu'on fera avec lui. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, Valdakeus le Vert. Il a avec lui un soudard et un pillard, ça devrait aller. On devrait pouvoir gérer. Ah, ils sont quatre. Alors, on va boire un coup. Donc, le chef est là. Qu'est-ce que tu fais de beau? Tous les dégâts sont réduits de 30%. Tant qu'il n'est pas engagé. Et il a 6, un anéantissement. Ah oui, non, mais ils sont pas du tout. Ah, mais non, mais si, c'est moi ça. Je me disais, il y a un mec derrière, mais oui, c'est moi. D'accord. Ils sont bien que 3. Oui, ils sont que 3 ici, on voit bien. Lancer de hache. Ok, lui, il peut lancer une hache. Il peut infliger des dégâts à la cible, le forcer à s'engager. Et lui, il a le coup de grâce. Hein, très bien. Alors dans l'idée, ce qu'on pourrait faire, c'est engager le chef avec Poslovitch très rapidement, ce qui nous donnerait un petit point de bravoure et ce qui permettrait à Lofwir d'aller se faire un petit peu plaisir, genre pour engager le Soudard par exemple. Ça me paraîtrait pas mal comme idée, puisqu'on va gagner un point de bravoure si on s'engage. Allez, c'est parti. On commence par faire ça. Hop, on a engagé. Est-ce que je crame quand même ça du coup? Je me demande si ce truc-là, ça combotte si on repousse l'ennemi. Je pense que oui, hein. Je pense que carrément. Toi, tu faisais quoi? 6 8 de dégâts en ignorant la garde. Bah écoute, je vais quand même lui mettre un affaiblissement. Hop là, voilà. C'est bon pour toi. Et ici, du coup. Ouais, ça marche pas le verrouillage de prévisualisation. Si, ok. Et vu la zone, je pourrais pas les choper tous les deux, hein. Je vais pas avoir le choix. Va falloir que j'aille. Genre ici. Même là, c'est trop léger. Hein. C'est trop court. Ah, mais on voit que si, on voit que là, je pourrais toucher les deux. Ça, par contre, c'est de la mêlée. Faut que j'aille au contact si je veux le faire. Et je n'ai pas moyen de toucher les deux en allant au contact. Bon, écoutez, on va tenter de mettre un coup comme ça. Je pense qu'il va forcer à m'engager et. Et foutre la merde, mais bon. Alors ici, le Soudard va jouer. Chobiti, tu pourras aller là et le repousser par exemple. Donc on va pas pouvoir gagner de points malheureusement, mais tant pis. Et j'aimerais bien m'approcher. Je peux pas m'approcher plus? Si, voilà. Voilà. Hop, comme ça. Si, je l'engage pas, mais. Ouais, voilà, il est capable de faire le tour. C'est ce que je craignais du coup. Ouh, ça pique. Ça pique, ça pique. Ok, on y va. Donc il s'est mis à un endroit où je peux juste pas le repousser dans la zone de dégâts, donc tant pis. On va se contenter de faire du dégât et ça fera le taf. Alors là je veux un tir sur le chef. On va essayer de diminuer le chef rapidement. Vu qu'on va en plus lui mettre une grosse flèche dans les fesses.
contre, je place pas trop bien mes trucs pour gagner des points de bravoure là, c'est pas bien. Ici, il faudrait que Chobiti. Non, il joue très très dans très très longtemps. C'est lui qui va rejouer de nouveau. Cliquez pour lancer le coup de grâce et commencer le tour de cette unité. C'est parti. Bim. Ok, on l'affaiblit lui. On le force à s'engager. Et on lui cale un coup de grâce dans les fesses. C'est parti. Alors, toi Malvin, tu peux soigner. Mais il faut que tu sois en mêlée, hein, ouais. Faudrait qu'on gagne un peu des points avant de faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec Chobiti. On va venir se mettre là et on va le repousser lui. Voilà, et briser son truc. Et comme ça, on va gagner un petit point. Parfait, qu'on va pouvoir utiliser avec Malvin. Pour mettre un petit soin également. Hop, un petit soin. Toc. Alors, on va reculer de sa zone de fight et mettre un coup de fourche dans les fesses du chef. Ouh, ça suffit pour nous galvaniser direct. Ça, c'est bon ça. Du coup, on va aller derrière lui parce que comme ça, il peut vraiment rien faire. Poslovic, mon cher. Est-ce que tu veux filer un coup de main à lui? Ouais, peut-être. Surtout qu'elle, en fait, fait pas de dégâts, hein. Y a pas vraiment de risque. Après, le problème, c'est que si je file un coup de main, je vais être obligé d'être dans la zone de fight de loft. Donc non, on va aller plutôt taper là. Ouh, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça sert à rien de lui mettre un choc affaiblissant. Ici, on n'est pas bien placé. Donc on va venir juste là, on devrait être bien normalement. Voilà. Ouh, Jilid qui défonce tout. Très très bien Jilid, rien à dire. Alors ici du coup, si je le repousse, est-ce que ça va déclencher son truc? Non, c'est bon. Ça déclenche pas. C'est parfait. Bah, Poslovic, vas-y, fini. Bim. C'est propre. Très très propre. On gagne du grès, ok. De la consoude et des couronnes. Et on répare. Et Chobiti a gagné un petit niveau. Voyons ça. Alors, Chobiti, toi, tu pourrais plutôt être harponneuse ou alors une héros. Applique fureur à toutes les unités dans la zone, mais deux quand même, hein. Enfin, ça augmente de 50% les dégâts de la prochaine attaque quand même, hein. C'est pas dégueulasse. On va te monter ton critique. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Harponneur, des dégâts de zone qui mettent en plus saignement. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. Chobiti, elle va se placer, balancer sa lance, faire des dégâts critiques. J'aime beaucoup cette idée. Alors ensuite, ici on a fait ce qu'on voulait, on va reprendre notre route du coup, par là. Et continuer d'avancer. Alors on va repasser dans les mines de sel, voir s'il y a éventuellement des nouvelles quêtes ou des trucs qui peuvent changer. On sait jamais. De moyens de refaire un peu d'XP avec notre notre minerai. Ah, on peut reminer. Oh bah c'est très très bon ça. C'est effectivement très très bon. Allez mon petit, il faut miner. Et Poslovic est devenu mineur apprenti, il peut découvrir des pierres précieuses en minant. Bien joué!
Bien joué, bien joué. Constitution plus 2, force plus 1. Bah, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il te fallait comme, pour le coup comme métier, il n'y a aucun doute. Alors pour que ça marche, hein, la petite mini-scène là, il faut qu'on trouve un saphir direct, parfait. Il faut absolument cliquer au milieu, hein. Enfin cliquer sur le cercle. Il y a le cercle qui rétrécit, il faut cliquer au bon moment quand il est vert, et en plus il faut avoir bougé la souris dessus, sinon ça marche pas. Là, il nous redonne pas de trucs, mais bon, on a quand même récupéré du minerai. Je le dis parce que c'est pas forcément très très évident, et c'est quand même plutôt, plutôt pratique à savoir. Alors ici. Est-ce que. Ça change si on dialogue. Non. On a retrouvé son. Bah, on a retrouvé son mari, mais on l'a pas tué. Hein. Il n'y avait pas moyen d'avoir une mini-map à un moment, là, il me semblait. On va vers le moulin, ok. Donc, on va plutôt vers là-bas, du coup. Ah, faut qu'on campe. Bah, on va camper. Alors, toi. Non, toi, t'es apothicaire. Où est mon cuistot? Malvine. Cuisine. Cuisine, cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau en cuisine? On peut faire du pain, du mouton cuit à point. Bah voilà, parfait. On va se faire un peu de mouton. Bim. Et du pain. Allez, avec notre dernier sel, ça fait un peu d'XP. On va pas s'en plaindre, on a gagné un point de connaissance, parfait. Alors est-ce qu'on peut justement prendre quelque chose? Des saucisses de loup, du porc grillé. On peut pas cuisiner le rat pour l'instant. Bah pour l'instant on va rien prendre, on verra si on trouve des animaux pertinents. Au niveau des autres trucs ici, on a quoi? Pourquoi ça clignotait? Y a rien de nouveau. Entraînement lesté, orientation. Chasseur d'offres, ouais. Brave parmi les braves. Maximum de points de bravoure. Coût de recrutement des compagnons, c'est pas non plus un truc de taré. L'atelier, on n'a rien de nouveau. La table d'apothicaire, non plus. L'enclume, il faut être novice pour apprendre tous ces trucs-là. C'est peut-être ça qu'on a appris, vous êtes moins souvent recherché par la gaz, non? Non, je crois qu'on l'avait déjà ça. Ouais, bon, pour l'instant, ça me paraît pas nécessaire tout ça. On va attendre de voir si on trouve de quoi cuisiner. Et on verra. Alors ici, par contre, est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes? Notre tente, on peut toujours pas. Non. Crochet, un piton, bah on va garder notre corne pour notre tente hein, si on peut. On va faire un petit peu d'XP vu qu'on a quand même plein de fer, on va faire quelques crochets. Et on va en faire 4. Hop là. T'as pas encore monté de niveau? Ah vache, ouais, ça monte pas vite. On va la laisser là pour qu'elle fabrique un peu. Ici, on réduit de la bouffe. C'est parti. On peut faire notre mouton. Et compléter. Plutôt comme ça, voilà. On va faire des sandwichs de mouton. Voilà, parfait. Ça me va nickel. Deux de bravoure. On obtient 3. On gagne un petit peu d'influence du coup. Et on a réussi à fabriquer un matériau. Ce qui est bien, mais pas ouf. Mais bien quand même. C'est des réfugiés. Et donc nous, on veut aller. Bah en fait, en plein là. Plein dans la forêt. Ok, c'est là. Le vieux phare, il est là. L'ancien phare. Alors effectivement, ah oui, s'il y a de la mer, j'avoue. Alors il y a du peuple. Allons-y.
Niveau 2, 3 truands et 2 braconniers. Ah, ça commence à devenir sérieux. Allons-y. Nettoyons cet ancien phare. Alors, les truands avec leur dague. Braconniers avec leur arc. Nous, on a Chobiti ici. Lofwir ici. Poslovich Malvin ici. Il y a un seul truand. Alors, le problème de Lofwir, c'est son manque d'armure. Hein. Je devrais peut-être prendre l'armure de Jilid et lui filer quand même un moment. Ok, donc l'objectif, ça va être Lofwir va aller s'occuper de ça. En plus, il va pouvoir lancer une petite lance sur le chemin. Probablement avec l'aide de Malvin. Et Poslovich, tu vas tanker ici avec Chobiti et Jilid le temps que le reste du monde arrive. Dans le concept, ça me paraît pas mal. Alors, c'est parti. Hop là. Tu viens là, tu ramasses cette lance, bim, voilà, toujours ça de pris. Je vais te mettre là. Que tu vas faire? Ah ah, je te provoque. Alors je vais pas regarder, mais qu'est-ce qu'ils font? Ok, ils mettent du poison. Hop là, et on cible. Parfait, et on termine le tour. On va fatalement se prendre quelques coups, hein, mais c'est pas non plus... monstrueux. Ici, je vais pouvoir tester un truc si je le désengage. Est-ce que ça active la compétence? Oui. Non. Merde, ça marche pas. C'est ballot. Du coup, on va faire un mur de lance dans ce sens-là, tant pis. Je saurais, comme ça, on peut pas faire cette... Ce combo-là particulièrement ne marche pas. Allez, on va profiter de ton point, toi. Et bim. Ah, il commence à faire mal, Poslovich. Hein. Mine de rien. Bon, là, on va se faire engager, sans grande surprise. C'est Jilid qui prend. Mais on va pouvoir le dégager. On va se prendre une flèche. Pareil, pas de surprise, un coup critique en plus. Alors, comment ça fonctionne? Ah. Non mais on cramerait beaucoup trop de points si on faisait ça. On va venir prendre la lance. Cette lance là, voilà. Hop. Ensuite on va désengager. Parfait. Et pour finir, on va se mettre ici pour faire notre petit point de bravoure. Des familles. Ici, on met la petite flèche. C'est pas la peine d'activer barrage, même si on se prend un coup, on supportera. On va rester là. Ah, tiens, ça aurait dû me donner un point de bravoure par contre. Je t'ai pas engagé. Bon, tant pis. Alors, qui joue en ce prochain? C'est celui-là. Et là, ça a complètement raté nos trucs. Hein. Donc on va finir celui-là, tant pis. Et on va aller engager. Allez, c'est parti. Attends, je me suis demandé un moment si ça allait activer du coup. Voilà, là, je pense qu'il va pouvoir se démerder tout seul. Alors, toi tu fais un mur de lance, mais ce que j'aimerais bien c'est me débarrasser de celui-là d'abord. Voilà, parfait. Tu vas courir par ici. On va prendre un petit point de poison, mais tant pis, c'est la vie. Ah, c'est presque dommage que le poison traverse les armures, honnêtement. Ah, j'ai pas moyen de le toucher. Dommage ça. Ici. Est-ce que je peux me rapprocher suffisamment pour mettre un coup de lance? Non, je peux. Dommage. Bah du coup, l'un dans l'autre, on va plutôt taper sur celui-là. Voilà, le coup de fourche dans le dos qui fait toujours bien plaisir par où il passe. Hein. Grand classique.
ici, c'est parti, on tape. Et on va pouvoir activer Kourou. Bim! Et du coup, c'est le moment de courir par ici pour cerner le braconnier. Ça, c'est un truc en mêlée. Bon, par contre, on prend cher niveau poison là. On va prendre une flèche dans Poslovitch. On va se faire pousser en plus. Tu marches pas sur le piège là? Ah, si, complètement. Merde. Je me disais, ça me paraissait bizarre qu'ils me le mettent pas. Allez, bam! Pauvre Poslovitch. Bah, du coup, vas-y, hein. Finis-le. Ce sera ta vengeance. Points de dégâts, ça fait mal. Votre soigneur n'est pas là en plus, hein. C'est dommage que ça fasse pas le taf de le truc pour comment pour désengager à coup de fourche là. Bon, ça va, 6 de réparation. On gagne un petit peu de crochet, du tissu, une dague abîmée, pourquoi pas. Je pensais qu'on aurait au moins une petite blessure, mais non, même pas. Alors, du coup... on peut utiliser un crochet là-dessus. Allons-y. C'est par ici. Pour le premier. Putain, ça part vite, hein. Ok. On gagne du poisson séché, du mouton parfait, des champignons. On prend tout. Et en plus, Jid est devenu voleur apprenti. Réduit le montant de suspicion gagné de toutes les sources. Pourquoi pas. La trappe là, on peut rien y faire. Ça là-haut non plus. Non, a priori. Ah, il y a un truc là. Crochet encore. Oh putain, c'est une grosse serrure ça. Ok, d'un. Oh, ben, ça passe bien. Bien fait de faire quelques crochets de rab au dernier camp. Propre. Masque de médecin. Ce masque en plâtre est moulé sur la statue du divin Saint-Balfroy. Seul vu ce qui fait aux malades pour les personnes qui sont guéries. Bonus de troupe. A une chance de soigner une seconde blessure d'un compagnon adjacent. D'accord. Médaillon. Qui eût cru qu'un pendentif en forme de blaireau puisse procurer autant de sérénité. Volonté plus sain. Rapport militaire, un petit carnet de bord retraçant au jour le jour la vie d'une patrouille de la garde, connaissance plus 1. Ah bah c'est super cool tout ça. On a bien fait de continuer de fouiller cette zone. Alors, c'est Malvin notre médecin plutôt, hein. Bah ça pourrait être l'ophir parce qu'il est apothicaire, mais c'est lui qui a la compétence de soins là. Après je sais pas du tout ce que ça veut dire, hein. Une chance de soigner une seconde blessure d'un compagnon adjacent. Est-ce que c'est adjacent là dans le trou? Est-ce que c'est adjacent sur le champ de bataille quand il fait son soin? Je ne sais pas. Jilid, si je t'enlève ça, est-ce que je peux le mettre à lui? Non, il ne sait pas l'équiper, donc du coup tu vas la garder, Jilid. La volonté, ça augmente le critique. Ouais, d'ailleurs je l'avais déjà donné à Chobiti. Ça va être pour toi, je pense. Non, pour Jilid. Jilid, il a bien besoin d'un petit peu plus de critique. Et on gagne un petit point. Et du coup, on a une belle dague. Si jamais on trouve un mec qui
peut l'utiliser, on sera bien. Bon bah, rentable cette petite quête, très rentable. On va continuer de ramasser des trucs de ci, de là. Voilà. Et donc du coup, la suite... là, ils cherchent des trucs, ils ont trouvé le repère des bandits, mais on pourra aller faire un tour au refuge. Hein. Voir un peu ce qu'ils nous veulent. C'est parti. Tiens, ici il y a des méchants. Allez, on va essayer d'aller voir. Alors, est-ce que le pathfinding va me faire descendre là? Oui, complètement. Alors là-bas, il y a toujours Mathias Lund, mais on peut pas le gérer pour l'instant. Honnêtement, on peut juste pas le gérer. Ouh, 96 de sol, ça commence à faire mal aux fesses. Heureusement, il n'est pas agressif. En fait, hein, tout simplement, hein, lui, son attaque, déjà, il joue très très vite. Et il a une attaque un peu similaire à la brute. Sauf qu'il fait genre... je crois que c'est pas du tout par là. Ouais, faut contourner la montagne, là. C'est que genre, il fait 62 dégâts, quoi. En gros, il one-shot tout le groupe en un coup, s'il le place bien. Et vu qu'il attaque très très vite, c'est assez compliqué de le gérer. Alors peut-être qu'avec tous nos lanciers, on arriverait... Mais je suis même pas convaincu, honnêtement. J'y crois pas trop. Est-ce qu'on peut leur parler à eux? Ouais, on peut leur parler. Êtes-vous des bandits? Nous n'avons rien, nous sommes de simples réfugiés. On peut leur donner du pain, mais non, on en a besoin quand même. Hein, on voit qu'on peut tenir que 3 jours avec notre bouffe actuelle. Et un hameçon. Non, c'est bon, ça ira. Alors, le refuge. C'était là, du coup. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Alors, on a Selene, Laotos, Fergus le chef, civil, hors la loi de niveau 2, tourbillon sournois, ok, Dac du meneur, parlons-leur. J'ai demandé à Bertrand de me demander de quoi confectionner des vêtements plus chauds. Quand pensez-vous qu'il reviendra? Je sais même pas qui c'est. Je sais que Fergaff et les autres font de leur mieux, mais soyons francs, on ne survivra pas à un hiver ici. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu troué votre cachette là. Si vous croisez d'autres réfugiés, s'il vous plaît, aidez-les. Ok. Nous vendons le surplus de ce que nous avons, ça nous aide à financer la reconstruction de cette ruine. Des remèdes pour 39, ok. Persil des marais. Bon. Qu'est-ce que tu nous proposes, mec? Je m'appelle Fergus, l'ancien bourgmestre de Cortia, et désormais chef des réfugiés. C'est moi qui vous ai fait appeler. Il semble que vous aimez soutenir les gens de Tyrden plutôt que les nôtres. J'aimerais vous convaincre que vous avez tort, mais je pense qu'une maison bien rémunérée vaudrait mieux que n'importe quel discours. J'aide les gens qui ont besoin d'être aidés. Nous avons installé un camp de bûcherons au nord d'ici, loin de tout, destiné uniquement à nous fournir de quoi nous chauffer à reconstruire le refuge. Et pourtant, ce camp a toujours été harcelé par les paysans de Tyrden. Ça pourrait même dégénérer. Il y a plusieurs jours que les bûcherons ne donnent plus de nouvelles. Ah oui, on est passé à côté d'un camp de bûcherons vide, je me souviens. Je voudrais donc que vous, mercenaires, découvriez la cause de ce silence. Ouais. Ça me paraît légitime, hein. Les mecs, ils posent un camp de bûcherons et on vient leur péter la tronche. Alors, faudrait que je suive cette crête, mais je peux pas. Hein. Donc non, on va devoir descendre par le truc pourri, là. L'endroit où Shubiti la pesteuse démoniaque a trouvé sa vocation. J'aimerais bien trouver mieux que les fourches aussi à un moment. Ça me ferait plaisir. Bon, faire le tour. Visiblement les trucs reviennent pas, ça c'est plutôt bien. C'est pas du tout le bon chemin. C'est plutôt par là, d'accord, très très bien, je fais n'importe quoi. J'avais pas vu qu'il y avait une boussole en haut. Là, je peux pas monter là, c'est ça que vous allez me dire. Ah putain. Je vais peut-être le prendre le truc pour ça là, pour aller un peu plus vite. Je vais pas prendre la course, je vais prendre le truc pour se déplacer plus vite de manière générale. On va se retrouver à devoir camper. On n'a même pas de sel en plus pour cuisiner notre mouton.
Ah ouais, mais j'aurais complètement dû regarder. En fait, oui, c'est par là, mais plutôt passer par ici que par là. Ouais, ça y est, faut qu'on campe. Bravo! Bande de feignants! Donc là, on est d'accord, hein, on n'a pas de sel, on peut rien faire. On pourrait faire deux marmites, parce que pourquoi pas. Toujours pas faire notre tente parce qu'on n'a pas trouvé le cuir qu'il nous faut. Par contre, on peut refaire un peu de crochet parce qu'on en a perdu pas mal. On va essayer d'en avoir 10. Ça suffit toujours pas à faire monter Chobiti de niveau, mais on s'approche quand même. On peut faire peut-être quelques crochets de plus. On va voir si ça se stack. Alors, elle peut apprendre des plans, concevoir et améliorer du matériel. On n'a rien débloqué de nouveau a priori. Ici. Apprendre des recettes, concevoir et améliorer du matériel de camp à l'atelier du camp. Ok, alors du coup, on peut peut-être débloquer des choses ici. Absolument pas. Alors ici, ce serait bien qu'ils te disent c'est quoi les nouveaux trucs parce que... Ah mais c'est peut-être pas que les nouveaux trucs, ça veut peut-être juste dire qu'on peut apprendre quelque chose en fait. Ouais, ça doit vouloir dire ça. Ça doit juste vouloir dire ça. Alors du coup, tu peux faire des choses, améliorer des trucs de camp. Mais... ça m'aide pas des masses. Si je le range. Je peux éventuellement l'améliorer. Non, je peux juste refaire les marmites. Hein. Allez, petit marmiton, travaille s'il te plaît. Là, on a déjà regardé, on peut rien faire, mais on va quand même réduire de 2 la consommation de nourriture, ça sera pas si mal. Ici, on va faire un matériau. Ah, du poisson séché qui vaut 1, c'est pas ouf, on va cramer les champignons. Ça, un truc comme ça, et une pomme en dessert. Voilà, on verse la thune. Et on bouffe. Ok, on regagne quelques points de bravoure, c'est toujours ça de pris. Et on est reparti, plein nord. Les effets de lumière sont vraiment sympas. Hein. Ah, ce serait peut-être des loups en fait. Quand elle a foutu la merde. 8 loups, rien que ça. Allez, on va faire ce combat, on arrêtera l'épisode, ça fera un épisode un petit peu plus long. Alors, effectivement, vraiment 8 loups quoi. Ici, on a une belle ligne de combat. Je peux mettre qu'une seule personne supplémentaire, il y a une lance là, mais ça sert pas à grand chose. Il nous faudrait éventuellement Chobiti en fait. Pour venir se mettre là et balancer son jet de lance là. Et on va essayer. Ouais, on va commencer par Chobiti. On va mettre Lofwir ici. Commencer par Chobiti, balancer son jet de lance. Et ici avec Poslovitch, on va ramasser la lance et tenter de mettre une tatane à l'un des loups. Jilith sera à l'arrière, plus ou moins protégé par Lofwir. D'ailleurs, je pense qu'on va même faire ça, vu que Poslovitch, on va le dégager tout de suite. Eux, ils vont mettre un peu plus de temps à arriver. Allez, c'est parti. Hop là. En avant, Chobiti, c'est le moment de montrer que tu sais harponner. Ouais, on est d'accord, on touche les 5 là. Bim! Les 3, pardon, les 5, ça fait 5 de dégâts mais on en touche 3, excusez-moi. Et bim! C'est cadeau! Ouf! Ok. Il gère l'armure cache. Poslovitch, mon cher. Viens ici, 10 de dégâts la lance. Hop là, la petite lance dans les fesses. Et tu vas venir, tant qu'à faire, au contact des deux. Capture! Quand il reste moins de la moitié de sa santé à un ennemi, vous pouvez utiliser des chaînes ou de la corde pour le capturer. Placez une unité à partir
côté d'un ennemi engagé pour tenter de le capturer. Oh, c'est marrant ça. Alors on va essayer 100%. Ah non, c'est sa garde. C'est pas les chances de réussir. D'accord. Ah, c'est marrant. Intéressant, intéressant. Bim. Bon, ils sont nombreux, mais ils sont assez fragiles, hein. On va pas se mentir, ça va. Ah, je peux plus faire ça après, ok. Une fois qu'il est en ciblage, il peut plus rien faire. Il court vite, mais pas assez. Et bim, le petit piège à loup. Alors là, on va essayer de s'occuper de ce loup-là. Non, on fait pas assez de dégâts. Ah si, j'oubliais que c'était Jilid, excusez-moi. Toujours efficace. Donc on a capturé un loup, c'est cool ça. Alors là, on va déclencher l'attaque. Bim. Et après, on va courir le plus loin possible. Et au cas où il y aurait quelqu'un qui se pointe, on va faire ça, ça coûte pas cher. Ok, le petit coup de dent de loup sur Chobiti. Ah, c'est ce que je craignais. On peut pas se tourner. C'est pas grave. Malvin, ah tu peux pas venir assez loin, sérieusement. Bon bah Jilid du coup, tu vas venir là, mettre un petit coup. Ouf, oh, mais il est tellement monstrueux Jilid, la vache, ça fait mal. Je crois qu'il a bloqué son pote là. Ouais, il a bloqué son pote. Ils viennent tous les deux là, il va falloir que Malvin joue là. Voilà, Malvin il peut venir cette fois. Et on va pouvoir faire ça, en plus ça lui enlève le saignement, c'est pas un mal. Par contre il peut plus bouger, on pourrait mettre un coup de lance, mais si je fais ça, je le tue, remarque, il reste un peu. J'allais dire si je fais ça je le sors de la zone, mais en fait on s'en fout. Complètement même. Alors, qui c'est qui reste à jouer? Lui, il perd combien avec le saignement? 4 points de vie, mais c'est à la fin de son tour, donc ça veut dire qu'il va forcément jouer avant, vu que Chobiti est blessé, on va aller le finir. On va en profiter pour activer Führer. Je peux pas aller m'occuper de lui, donc on va aller s'occuper de lui à la place. Bim! Attends, on a même pas gagné le petit point de bravoure quoi. C'est bien dommage. Allez, active ta compétence toi. Voilà. Ouais, on peut le provoquer. Comme ça au moins on est supporté. On refait ça. On termine le tour. On vient dans ses fesses. On lui met un petit écrasement et bim, voilà, ça c'est fait. Du loup, des carcasses, des crocs en parfait état, de la graisse et du cuir, parfait, on prend tout. Et du coup on a récupéré un loup, nickel, regardez un peu ce que ça fait. Alors comment ça se passe, loup? Il a des ecchymoses, dégâts subis doublés, soignez la blessure.
100% de chance avec le remède, ouais. Il fait 4-5 de dégâts à la cible, mais il fait pas de saignement pour l'instant en tout cas. On peut changer son mouvement, sa constitution ou sa force. Augmenter ses dégâts, ouais, on va augmenter sa force. Il n'a pas de spécialisation du tout. On peut lui filer un truc. Ah, chaque attaque effectuée contre une unité sans armure lui applique saignement. Ok, d'accord. Et il est carnivore. Il doit consommer de la viande à chaque repas pour être satisfait. D'accord. Donc du coup, on va pouvoir acheter de quoi faire des saucisses de loup, je pense, hein. Il filera à bouffer ses potes. C'est ça, il faut ça, loup. Allez hop. Parfait. Et du coup, on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.